J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Je vais vous emmener avec moi pour ma routine ménage du soir. On est en été et forcément celle-ci change de ma routine de l'hiver. J'ai pas mal de choses aussi à faire à l'extérieur. Donc je vais vous emmener avec moi. Il est actuellement 8h moins le quart, enfin 19h45. On a terminé de manger. Au menu, c'était quiche Lorraine que j'ai préparé hier midi avec une salade de riz, maïs, thon, fromage, vinaigrette. On a mangé une glace en dessert. Donc là, c'est pas trop le bazar à la maison, voire presque pas. Je vais juste débarrasser mon lave-vaisselle parce que je l'ai fait tourner dans la journée. J'avais oublié de le mettre à tourner cette nuit. Il faut que je lance également une machine, que j'aille arroser au niveau du jardin toutes mes fleurs parce que je crois qu'on a dû monter jusqu'à 35 ou 36 degrés aujourd'hui. Regardez pas trop ma tête parce que je me suis lavé les cheveux ce matin, mais je les ai juste accrochés et je les ai pas séchés, donc ils ont une forme très bizarre. En même temps, je vais en profiter pour vous montrer un nouvel aspirateur que j'ai reçu en partenariat. Donc cette vidéo est en partenariat avec la marque Ultenic. C'est une marque où est-ce qu'il y a vous avez pas mal d'aspirateurs, donc moi j'en ai reçu un. Je vais vous montrer le déballage tout de suite et on se retrouvera après pour faire le test. Alors ici, c'est le modèle Ultenic U11. Vous pouvez le retrouver sur Amazon. Je vais vous mettre le lien dans la barre d'information. Il est actuellement à 199 €. Vous pouvez appliquer un code promo. Enfin, vous avez un bon, pardon, de 20 € de remise. Il va également passer en promotion du 21 juin au 22 juin lors des Amazon Day. C'est un aspirateur balai à main qui est sans fil bien entendu, avec un pied qui vous permet de le déposer sur le support sans devoir l'accrocher quelque part au mur. Il vous suffit juste de brancher son chargeur à une prise et de le connecter par en dessous le petit boîtier gris, vous allez le voir tout au long de la vidéo. Il est vendu avec 4 brosses, vous avez une première grosse brosse qui tourne avec une lumière LED intégrée. Vous avez une petite brosse qui peut servir principalement pour tout ce qui est lit, tapis de voiture également. Vous avez un petit embout que moi je vais me servir principalement pour la poussière, puis le petit embout dit suceur. L'avantage de cet aspirateur, c'est qu'il est assez puissant, vous avez 3 modes d'aspiration. Il y a le mode simple, le mode automatique et le mode puissant, et franchement il est vraiment top. Il se recharge en 2h, 2h30 et vous avez une capacité d'aspiration d'environ 55 minutes en mode automatique. Vous pourrez acheter à part un accessoire spécial pour pouvoir brosser vos animaux. Donc en gros, vous les brossez et en même temps, ça aspire les poils. Donc ça, c'est plutôt cool. Et également, vous pouvez racheter d'autres batteries. Comme ça, vous en avez à peu près toujours une de rechange ou toujours une qui est plus ou moins chargée. Ça vous évite de tomber en panne de batterie. Assis, donne ta patte, merci, l'autre,
Oui. L'autre, c'est bien ça. Doucement. C'est gauche.
Je vous reprends, on est le lendemain dans laquelle j'ai tourné la vidéo, donc hier soir sur ma routine du soir, ma routine ménage. Je voulais juste vous faire un petit point concernant l'aspirateur. En fait, pour ceux qui me suivent, vous savez que j'ai un Rowenta Xpert 260. Ça va faire 2 ans que je l'ai là à la fin du mois de juin. Je voulais juste vous faire un petit comparatif. Il y a 2 ans, j'ai acheté donc mon aspirateur Rowenta chez Leclerc pour 199 €. Donc le prix actuel du Ultenic U11. Faut savoir que le Rowenta est fourni avec une seule brosse, c'est-à-dire la brosse centrale de l'aspirateur. Vous n'avez pas d'autres brosses fournies, alors que sur le Ultenic, vous en avez quatre. Il y a une sacrée différence au niveau des volts. Je crois que le Rowenta fait 21,4 ou 21,8, sachant que le Ultenic fait plus de 28. Il y a quand même une bonne différence. De toute façon, on le voit direct au niveau de l'aspiration. Sur le Rowenta, vous avez qu'un mode d'aspiration, alors que sur le Ultenic, vous avez un mode basique. Vous avez le mode auto et le mode aspiration puissante. Faut savoir que je vous ai pas précisé, mais sur le mode aspiration puissante, la batterie ne tient que 15 minutes. Mais franchement, pour avoir essayé le normal et le puissant, je le mets principalement sur les tapis. Comme ça, je suis sûre que ça emmène bien la saleté. Et après, pour le reste, je mets au niveau classique. Ensuite, qu'est-ce que je pouvais vous dire d'autre au niveau pour vider le bac à poussière sur le Ultenic? Comme vous avez pu le voir, c'est hyper facile. Vous avez juste deux petites pressions en fait à appuyer, et ensuite c'est un petit clips que vous enlevez sur le bout du réservoir et ça va se vider. Sachant que sur le Rowenta, c'est une poignée à lever, on va dire, à ouvrir. Et pour le démonter entièrement, c'est très galère. Pour vous dire, c'est mon mari qui s'y colle pour pouvoir le nettoyer comme il faut. Parce que moi, j'y arrive pas. Il faut pousser avec sa main. En presque, il faudrait le déboîter. Enfin, je sais pas. Moi, en tout cas, je n'y arrive pas. Donc, du coup, je ne le fais pas. Là, c'est beaucoup plus simple. Ensuite, sur le Rowenta, il ne tient pas debout tout seul. Comme vous avez pu le voir, je vous ai montré un petit peu plus, enfin, précédemment sur la vidéo, le Ultenic tient tout seul debout, même en mode aspiration. Le Rowenta, vous devez le mettre sur un support et le support doit forcément se fixer quelque part parce que sinon, il ne tient pas debout. Donc ça, c'est une autre chose qui est un petit peu plus agaçant, on va dire. L'avantage quand même du Ultenic, c'est que son pied, bah, vous pouvez le déplacer partout. Alors oui, ça prend un peu plus de place qu'un aspirateur dit classique que l'on accroche au mur, un petit peu peut-être comme le Dyson. Mais là, je trouve quand même que l'idée de la base où est-ce que tout tient dessus, c'est quand même plutôt sympa. Et au moins, il n'y a pas de trou à faire dans un mur. Et ça, c'est plutôt sympa, surtout pour quelqu'un qui serait éventuellement en location. C'est vrai qu'on ne peut pas faire des trous comme on veut. Je pense que c'est tout ce que j'ai à vous dire. En tout cas, maintenant, c'est mon aspirateur principal pour la maison. Vous allez continuer à le voir du coup dans mes vidéos. Le Rowenta va passer dans la partie nuit. Comme ça, j'aurai plus besoin d'aller chercher l'aspi, de le ramener, etc. J'en aurai un dans la partie nuit pour faire mes 4 chambres, le couloir et la salle de bain. Et puis maintenant, j'aurai le Ultenic U11 pour mettre dans la grande pièce principale. Et je viens de voir que je n'avais pas clôturé cette vidéo. Du coup, je suis en direct de ma voiture. Je m'apprête à aller au bureau. Mais tout d'abord, on va aller chercher quelques petites viennoiseries pour le petit déjeuner. On a l'habitude une fois par semaine de faire ça. Et on fait un petit roulement. Du coup, là, c'est moi qui vais m'en occuper avec ma collègue. Donc voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas d'aller voir dans la barre d'informations, vous trouverez le lien pour l'aspirateur ainsi qu'un petit code promo. Ça fait toujours plaisir d'avoir une petite réduction supplémentaire. Je vous dis en tout cas à très bientôt pour une prochaine vidéo sur ma chaîne. N'oubliez pas de vous abonner autant sur YouTube que sur Instagram. N'oubliez pas également d'activer la petite cloche pour recevoir une notification lors de mes prochaines vidéos. Je vous embrasse très fort de loin et je vous dis à très bientôt.